Irène, ta plume de poétesse saura régaler bien des lecteurs assidus. Leurs yeux frétillent de lire tes vers, tes écrits restent et passent les époques. Tu as fait de chaque espace de ta propriété un univers multicolore et intemporel. Regardez-moi ces rideaux si bien assemblés avec la tapisserie. Installez-vous dans ce canapé confortable. Prendrez-vous une tasse de thé avec des petits gâteaux faits maison? Oui. Mon chat rôde peut-être encore entre deux étages. Il adore se blottir entre mes bras et je l'ai souvent pris en photo. J'ai des souvenirs ancrés un peu partout chez moi. Toutes ces poupées en porcelaine sur mes étagères, elles sont exceptionnelles aussi, non? Qu'en pensez-vous? Irène, si ton mari nous octroie une petite place pour dîner ce soir, nous resterions avec plaisir. Mais je ne sais pas trop ce qu'il pense de nous. Est-ce que nous sommes pas un peu envahissants pour le coup? Guillaume monte à l'étage, tandis que je décide de rester au rez-de-chaussée. Nous sommes ébahis par la beauté du lieu. Finalement, nous faisons seuls la visite, mais c'est un peu comme si Irène était là avec nous, tout le long de notre enquête. Cependant, une atmosphère plus sombre semble vite envahir la propriété. La nuit tombant et le froid arrivant, la visite se fait plus oppressante. Est-ce monsieur qui veut nous chasser, ou bien tous ceux qui se cachent dans l'obscurité? C'est ce que nous allons tenter de savoir dans quelques instants. Espérons juste que nous sortirons par la grande porte, comme nous y sommes rentrés. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle enquête. Je suis avec Sophie. Salut. Pas de Léa aujourd'hui parce qu'on n'a pas pu venir avec. Mais alors, nous nous trouvons dans. Alors, c'est plus un manoir hein, quand même. Oui. Ou alors, c'est une très très grande maison. Alors c'est un peu le bordel, mais alors on a été avec Sophie, nous sommes venus cet été la visiter. D'ailleurs, on reviendra sûrement dessus un peu plus tard, mais il s'était passé quelque chose pendant le repérage d'assez étrange.
Et donc c'est aujourd'hui que nous avons eu l'opportunité de venir enquêter ici. Nous sommes le 25 janvier et il fait moins 1. Mais encore là, ça va, ça se sent pas trop dans la maison hein, qui fait froid. Hein. Voilà. Donc par contre, niveau historique, t'as réussi à attraper des infos, non? C'est pour cette. Oh, j'ai des infos sur cette maison. Ah, intéressant. Quelles infos? La maison, elle aurait été abandonnée le lendemain de Noël parce que sa propriétaire, qui est une artiste peintre, serait décédée le lendemain de Noël. Donc le mari, je crois, travaillait dans l'armée. La femme était une ancienne infirmière, devenue peintre ou artiste. J'en dirai plus si ça me revient d'ici là. D'accord. Les années abandon, c'est les années 2000. Hein. D'accord, donc ça fait une vingtaine d'années que la maison est C'est abandonnée ça. et la propriétaire est morte et décédée le Le lendemain de Noël, lendemain de c'est ça? Noël, ouais. C'est pour ça qu'il y a encore des décorations, tu vois, notamment ici. Tu as encore des confettis et des décorations. Ouais. Alors c'est vrai qu'on est un mois après Noël, mais c'était déjà là à l'époque, effectivement, quand nous sommes venus. Là, on se retrouve au rez-de-chaussée, hein, après avoir traversé un grand jardin. Et là, un escalier. Alors, il n'y a pas de courant d'air dans la maison. Le coup de. Oui, parce qu'il y a le drap qui est sur le lit, c'est un peu comme s'il y avait un corps en dessous, quoi. Et ça se trouve, il y a même un corps en dessous, j'ai même pas envie de regarder. Tu vas voir ce que je veux dire. Bon, là, c'est une chambre, hein. C'est moi qui fais du bruit, il y a la planche à repasser dans mon dos. Et donc là, ça serait la cuisine. Là, c'est les toilettes derrière Sophie. Voilà. Allez, direction le premier étage. Nous étions venus. C'était déjà comme ça. T'as vu, hein? Ouais, ça donne pas envie. Partout où tu vas, tu te sens mal, quoi. C'est tout étriqué, tu sais, la maison, elle est. Waouh. Est très anxiogène en fait. Hein. Les joies de l'urbette. Ah, dis donc, c'est une tonne de. Vêtements. Encore un sapin. Oh là là. Je m'en rappelais plus. Peluche.
Alors ça doit être, je sais pas, un jour de cuisine encore. Ou... On a connu des maisons plus vides. Quand je viens, je fais énormément de bruit. Et là, c'est... C'était toi? Sophie? Sophie? Pourquoi on répond pas? Sophie? Hey. Oui? Bah alors? Écoute, il y a un salon derrière la chambre et tout. En fait, ça, la maison, elle s'étale. Je vais vérifier, d'accord? Attends, parce que c'était toi le bruit? Non. T'as pas ouvert une porte ou... Du tout, mais j'ai découvert un salon. Un salon qui est magnifique. Ouais, jusqu'au bout de la maison. Fais attention quand même. Ah, t'es là? Je suis là. Bon, donc je suis redescendu parce que Sophie m'avait appelé. Donc je vais retourner au premier. Ouais. Bon, je vais rester au zéro. Et puis bon, on va commencer à se présenter, hein. Peut-être parler de ce qui m'était arrivé lorsqu'on était venu. Oui. Comment ça s'était passé? J'avais la lampe. J'avais la lampe. Et il y avait un fil de couture qui s'était emmêlé autour de ma lampe et ça avait fait un nœud. Ah
C'est ça, hein, grosso modo. Ouais, c'était impressionnant, ouais. Tu leur demanderas? Et pour enlever le fil, j'avais été obligé de le couper, quoi. Parce que le nœud était tellement serré. Et j'avais le caméscope et la lampe, le caméscope dans la main droite, la lampe dans la main gauche. Et je ne sais pas comment c'est possible que ça n'a jamais été filmé, mais en tout cas, je l'ai vu, tu l'avais vu. Et ça nous a toujours un peu intrigués, quoi. Bon, je remonte. Hein. Ok, bah moi je reste ici alors. Ok. Bonsoir, madame. Peut-être éventuellement d'autres. S'il y a d'autres personnes, mais. C'est toi? Sophie? Ah, oh, tu m'as fait peur. Ben non, mais je savais pas. Au début, tu étais sur ma gauche et j'ai entendu du bruit sur ma droite. Nous sommes Sophie et Guillaume. Nous permettons d'être ici chez vous quelques heures vais vous expliquer notre présence quand j'aurai fini de monter les escaliers. Voilà, nous sommes des chercheurs en phénomènes paranormaux. Et nous allons dans les lieux abandonnés ou dans des lieux habités, selon l'occasion. À la recherche de preuves d'une vie après la mort. Pour cela, nous avons des caméras, des micros. De quoi enregistrer vos voix si vous nous parlez, de quoi enregistrer si vous faites bouger ou des objets. Et nous avons aussi du matériel que je n'ai pas sorti encore, mais pour dialoguer en direct avec vous. Alors nous savons que vous avez vécu ici, madame, et que vous êtes décédée. C'était toi? Ça vient de la. Mettre en verre. Ça a claqué deux fois dans la pièce que j'arrive, dans la porte que je n'arrive pas à ouvrir. Bon, alors après, vu l'état de la maison, il se peut qu'il y ait des bruits naturels. Bon, ceci dit, quand nous sommes venus pour faire la première visite, nous étions restés une demi-heure. On n'avait rien entendu de spécial comme bruit. Et même au niveau des enregistrements, on n'avait pas entendu de claques, de choses, enfin spéciales. Donc il y a A priori, il n'y a pas de bruit, de claquement intempestif. En plus, dehors, il n'y a pas de vent du tout. Ça fait plusieurs jours qu'il n'a pas plu. Il fait froid. Donc les deux claquements tout à l'heure, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si ça va s'entendre à la caméra d'ailleurs. Donc madame,
si jamais vous êtes là, on peut aussi dialoguer avec le système des coups, c'est-à-dire que si je vous pose une question et que la réponse est oui, vous pouvez frapper une fois contre le mur, genre comme ça, et si la réponse est non, vous pouvez frapper deux fois, genre comme ça. Voilà. Ça peut être une bonne façon de communiquer. On va faire un test, madame, si vous êtes là. Tapez une fois contre le mur ou contre une porte, s'il vous plaît. Madame, êtes-vous là? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison, tout simplement? Si oui, tapez une fois contre un mur ou contre une porte. S'il vous plaît, que l'on sache que vous êtes là, à côté de nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison? Chambre d'enfant presque ici. Et là, une statue. Madame, nous savons que vous avez vécu ici. Ça va, Sophie? Décidément, le. Le contact a du mal à. Il y a eu. Sophie, il y a eu un bruit dans la chambre? Ah oui. Le contact a du mal à. Le contact a du mal à. Bien, ah, c'était pas un bruit naturel. Ouais, il y a eu un drôle de bruit dans la chambre. C'est vous, madame, qui vous êtes manifestée?
le froid, je commence déjà à le sentir. Oh, ça va, toi? Ouais, j'ai à peine dit bonjour. Tellement t'as froid? Non, je suis pas rassurée, en fait. Il fait froid, hein. Oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr qu'il fait froid. Donc. Mais c'est pas le froid qui a fait qu'il y ait eu un bruit dans la pièce, hein, ça par contre. C'est-à-dire que t'es pas rassurée? Bah, je me sens pas rassurée, quoi. On est, je pense, surveillés, tu vois. Cette pièce-là, j'arrive pas à ouvrir la porte. Ah ouais? Ah non? J'ai entendu deux claques tout à l'heure. Ah, oh, c'est quoi ce truc? Elle est presque. Elle était comme ça, non, elle était pas comme ça. Elle est presque. Rentre pas. Cette pièce-là, j'arrive pas à ouvrir la porte. Ah ouais? Ah non? J'ai entendu deux claques tout à l'heure. Eh bien, elle est presque. Rentre pas. Pourquoi? Elle est fermée, c'est qu'on ne doit pas rentrer. Rentre pas trop dedans. Elle est vide en plus. Ben oui, c'est la seule pièce qui est normale. Rentre pas trop. Je sais pas si elle est sûre. Elle est toute vidée, elle n'était pas du tout comme ça. Oui, j'arrivais pas à l'ouvrir et puis j'ai entendu deux claquements tout à l'heure. Eh mais il y a un sac à main qui est. Ah oui, il est beau. Il est beau. Il y a deux télés. Pourquoi? T'as pas entendu la claque? Si, mais je pensais que c'était toi, mais non. Apparemment c'était pas toi non plus. Toi, c'est ça que j'ai entendu tout à l'heure, mais beaucoup plus fort. Hein. Vous êtes dans cette chambre-là, madame? Il y aurait un moyen de savoir si vous êtes là? Par exemple, en fermant la porte de l'armoire? En faisant bouger le fauteuil, quelque chose? Oui, je ne rentre pas hein, dans la chambre. On n'est pas là pour vous embêter. Hein. Sophie est descendue. Avec la SBO. Je referme la porte de votre chambre. Voilà.
Ah, très bien. On va éviter de filmer les noms. Ah, la dame s'appellerait, je vais pas donner le nom de famille, mais Irène. Vous pouvez parler dans cette boîte que j'ai dans la main. N'hésitez pas. Tu viens? Oui, on vous entend. Oui, monsieur, venez. Bonjour, nous sommes Sophie et Guillaume. Bonjour. N'hésitez pas à parler dans la boîte. Nous allons analyser quand nous rentrerons chez nous vos voix. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Merci. Nous, c'est Guillaume et Sophie. Est-ce que vous allez bien? Vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît. Au plus fort que vous pouvez. Fort, 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 fort. Vous voyez, il n'y a pas de bruit. Donc, en fait, il y aurait des claquements tout le temps, hein, ça aurait rien de paranormal, mais vu qu'il n'y en a jamais.
J'ai cru entendre quelque chose, mais. J'ai cru entendre une voix, mais c'est pas Sophie. Enfin, c'est pas... J'ai senti un courant d'air, mais ça a été furtif. Hein. Comme si quelque chose était passé tout juste à côté de moi. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est passé à côté de moi? C'était vous? Il y a eu un coup, hein, t'as entendu? Sophie? Oui? Il y a eu un coup? T'étais où? Là-haut? Ouais, j'ai pas bougé, moi. J'ai demandé s'ils ont besoin d'aide. T'as demandé quoi, toi? Bah, en fait, j'ai senti un courant d'air furtif passer sur mon côté gauche. Oui? Et j'ai demandé si c'était elle qui est passée à côté de moi. Et il y a eu un bruit sourd, un coup sourd. Non, c'est pas toi. Non, mais je veux dire, c'est pas toi qui a fait ce bruit-là. C'était quoi ça? C'est toi? Ah non, c'est pas moi, non. Ça venait de là. Hein. Ça venait de la chambre oui, qu'on a fermée tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce qu'aurait pu faire ce bruit? C'était vous, madame? C'était vous, le bruit? La gauche, monsieur. J'ai comme un doute, là. Ouais, d'un... T'as vu quelque chose? Non, mais j'étais persuadé que le bruit venait de la belle chambre. Mais du coup, j'ai un gros doute par rapport à l'autre pièce, la porte. Est-ce qu'elle était fermée comme ça? Non, je ne sais pas. J'étais là tout à l'heure. Non, non, il y a un truc avec la porte là. Faudra regarder sur les images. Hein. Faudra regarder sur les images parce que. Pour moi, en fait, le bruit, c'est la porte qui s'est fermée. Hein. Mais elle n'a pas pu se fermer en entier parce qu'il y a plein de papiers par terre. Je regarde, hein. Je ne touche pas, d'accord? Je fais que regarder. Hein. De le voir, hein. Oui. Oh, vous aviez un beau chat, madame. Thank you.
active. Vous êtes là, madame? Est-ce que c'est possible de parler à Irène, s'il vous plaît? Madame Irène? Est-ce que Madame Irène est dans sa maison, s'il vous plaît, ou est-ce que vous êtes d'autres personnes? Vous êtes tous là? Qui êtes-vous? Que vous avez habité dans cette maison? Ou est-ce que vous vous cachez dans cette maison? Guillaume? Oh, j'ai eu peur là. Guillaume? Oui. C'est toi? Moi quoi? Il y a eu un bruit, c'était quoi? Oh, il y a eu un bruit, j'ai eu peur. T'as fermé quelque chose? Non, non, non. Oui, là, c'était moi. J'ai donné un coup. Pardon. Est-ce que Madame Irène est là, s'il vous plaît? Bonjour. Ça parle, hein? Madame Irène? Ah! C'est toi? Bah, et où? Mais tu m'as fait peur! Non, mais t'as pas entendu? Non! Il y a quelque chose qui a dégringolé sur moi, quasiment! Oh la vache! Hé, t'es où? T'es dans les escaliers? Non! Je te jure, il y a un truc qui a dégringolé! Putain! Hey! Yeah, ça m'a presque touché, je te jure! Hey! Yeah, ça m'a presque touché, je te jure! Hey! Yeah, ça m'a presque touché, je te jure! Hey! Yeah, ça m'a presque touché, je te jure! C'est...
a été à 3 cm de mon oreille en fait. Ça m'a éclaté l'oreille. Non, c'est... froid ? Non, c'est quelque chose qui a éclaté là. D'accord, c'est pas quelque chose qui est passé. C'est, je sais pas si c'est quelque chose d'envoyé ou quelque chose qui a éclaté. Bah t'as vu comment j'ai gueulé ? Ouais, non, tu m'as dit que c'était passé à côté de toi. Ouais, c'est comme si on m'a envoyé quelque chose à l'oreille. D'accord, ok. Ça a fait comme un cri ou je sais pas si c'était un cri ou... Mais merde, je... C'est quoi ? C'est pas ça quand même ? Ah, c'est bizarre. Eh. Ouais, ça... Il se passe des choses, hein. Bah ouais, c'est Madame Irène, je crois. Putain. C'est Madame Irène qui a fait ça ? C'est vous ? Madame Irène ? Ouais, ça... Il se passe des choses, hein. Cette pièce-là, elle... on ne peut pas y accéder, c'est dommage. C'est quoi, c'est un rocking chair, non ? Ah non, c'est... Enfin, une chaise à bascule, mais non, c'est pas une chaise à bascule. Je vois à travers le retour du caméscope. Parce que là où je suis, je vois pas, il y a ce meuble qui me gêne. Là, c'est pareil, il y a un tableau, j'arrive pas à voir ce que c'est. Mais... C'est quoi ça ? T'as entendu ce que j'ai entendu ? Oui, c'était quoi ? Un mec qui parle concrètement. Bonjour, qui êtes-vous, monsieur ? Dans la spirit box ? La spirit box est éteinte, Guillaume. C'est quoi ça ? Putain ! T'as entendu ce que j'ai entendu ? Oui, c'était quoi ? Un mec qui parle concrètement. Bonjour, qui êtes-vous, monsieur ? Dans la spirit box ? La spirit box est éteinte, Guillaume. Putain, c'est trop bizarre. Oh, c'est comme un enregistrement. T'as filmé ? Bien sûr, je suis en train de filmer. Moi, je te dis, là, la spirit box, ils s'en servent toujours. Mais... Monsieur, nous vous avons entendu. Comme une voix répétitive. Mais ouais, mais j'ai bien entendu d'ici. Et c'est au moment où j'ai coupé la SB11 en fait. Et je pense que Guillaume, c'est à côté du sapin, là où je me suis déplacée. Là où j'ai cru que ça me projetait. C'est en bas en fait. De toute façon, j'arrive, moi j'en peux plus, là, j'ai trop froid. Tu sais quoi, c'est comme un automate en fait qui serait mis en route. Oui, j'ai entendu, et je suis trop contente enfin du phénomène. Merci monsieur. Ah, vous pourriez reparler monsieur ? Excellent. Vous pouvez le refaire ? Mais je sais même pas d'où ça venait, quoi. Ça brasse. Il est en train de refroidir. Je pense qu'il va falloir commencer à mettre les voiles, Guillaume. Ouais, mais je commence à avoir trop froid. Il y a des phénomènes qui commencent à se passer. Ah oui, je suis bien d'accord. Oh ! Oui, descends. Ou demande qui c'est. Ouais, je suis bien d'accord. T'as entendu ? Oui, descends. Ouais, je... Qui c'est ?
Là, il y a eu un coup, hein. Bon, je descends. Oui, oui, oui. Je pense me lancer quelque chose. Là-haut, un coup de pied, peut-être sur quelque chose d'autre. La femme était un peu douce, mais l'homme, il est beaucoup plus violent. Nous vous avons entendu. Peut-être le mari ou un fils ou quelqu'un de la famille, un ami qui protégerait la dame. Viens juste te voir. Non, mais là, j'en peux plus. Hein. Je veux pas juste venir voir le salon. Ouais, je m'en garde pour demain. Non, mais je m'en garde pour demain, j'en peux plus. J'en peux plus, Sophie, j'ai trop froid. Demain, je me mettrai un pull en plus, mais là, je sens plus mes doigts. Ok, nous allons partir. Ouais. Attends, je vais te donner la SB11. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est plutôt que faire 4 heures, on va faire 2 fois 2 heures, hein, parce que... Les enquêtes partant de grand froid, il n'y a pas de problème, on les fait, mais sauf que là, je pensais que le pull que j'aurais mis suffirait, mais j'ai pas de gants. Bon. Demain, on vient un peu plus habillé et ça le fera. Par contre, cette voix-là, ça m'a vachement marqué. C'est bizarre. Cette voix masculine comme quelqu'un qui te parle deux fois, comme un automate en fait, ouais, qui ouais. s'est mis en route. Et je te dis, le truc était là. Là. Moi, et ça a dit là. Quoi tout... Ça a dit, je sais pas, 3-4 mots à la suite et la même chose. Faudra écouter. On y va. Vous laissons, nous allons peut-être revenir. Allons-y. Ouais, bah nous reviendrons demain. Vas-y, sors. Allez. À demain, Madame Irène. Au revoir, Madame Irène et monsieur. Au revoir. Bonsoir tout le monde. Alors, comme convenu, nous sommes de retour chez Irène. Hier, il faisait vraiment très froid. Aujourd'hui, il fait moins froid. Et de toute façon, on avait convenu qu'on reviendrait aujourd'hui. Voilà. Alors au niveau de la météo, c'est comme hier, sauf qu'il fait moins froid. Voilà. Donc pas de courant d'air, pas de vent. Et ça, c'est déjà plus agréable qu'il fasse moins froid. Sophie, bonsoir. Bonsoir. Alors, on a jeté un coup d'œil rapide à ce qu'on avait filmé hier. Et il y a des choses vraiment très impressionnantes. Hein. Il y a bien du monde dans cette maison. Hein. Bon, on le savait en sortant, mais c'est confirmé. Je n'ai pas fait l'analyse encore là, au jour d'aujourd'hui, là, mais on a bien enregistré des voix. La porte qui était dans mon dos et... C'était bien fermé. Entre autres, hein. Bon, t'as entendu? Ça commence. Y'a quelqu'un?
pas rassurant, hein, cette maison. Hein. D'après le peu qu'on a regardé, il y a un homme qui n'est pas content. En tout cas, il n'était pas content du tout qu'on soit là. Hein. Qui est cet homme? Le mari, non? Peut-être le mari d'Irène, oui. Qui lui aussi est décédé? Ouais, lui est décédé quelques années avant Irène. D'accord. Irène, bonsoir. Il y a une église aussi pas loin. Les cloches sonnent. Irène, bonsoir. Vous êtes. On est de retour. On vous avait dit qu'on reviendrait. Rien n'a bougé. Je vais tout de suite monter à l'étage. Ça va ta lampe? Oui. Cette porte-là qui s'est bien fermée hier. Il y a eu un bruit bizarre. Ouais. T'as entendu? Non, il y a quoi? Ah, je sais pas, je... C'est moi là. Ouais. Bon, a priori, rien n'a bougé. Hein. Alors, c'est dommage qu'on puisse pas y rentrer dans cette pièce avec tout le... Bon, en même temps, vu la qualité du plafond... Ouais, je vais éviter quand même d'aller au dernier. Hein. Non, évite. Ouais. Parce que vous voyez là le. Vous voyez l'état du. Là pour le coup, c'est les marches là hein, qui sont dégueulasses donc. Ça va toi?
Irène? Il y a une odeur. Il y a. Ça sent. Odeur! Ouais, il y a une grosse odeur là. C'est parti là, mais je sais pas, il y a une. J'ai un peu une odeur de merde, mais je sais pas, plus une odeur d'égout, je sais pas, enfin ça. Ça a pas duré longtemps. Il y a eu une odeur. C'était toi? Il y a eu un comme un bruit de. Il y a eu un bruit. Est-ce que c'était vous, Irène? Il y a eu un bruit de frottement dans la chambre. Bruit. Ça n'arrête pas là. C'est pas d'une extrême violence, mais bon, c'est là quoi. Donc comme hier, Irène, je vous explique notre le pourquoi de notre venue. C'est pour récolter des preuves qu'il y a bien une vie après la mort. Et pour cela, nous avons du matériel, des caméras, des micros qui nous permettront d'enregistrer vos voix si vous nous parlez. Et les caméras, les caméscopes, vous connaissez, donc si jamais vous vous manifestez d'une façon ou d'une autre, il se peut que on vous filme. On a entendu justement sur nos enregistrements hier la voix d'un homme qui avait l'air mécontent de notre présence. Vous pouvez me dire, Irène, qui est cet homme ? Est-ce votre mari? Faites-vous entendre Sophie? Non. Qui appartenait cette chambre?
c'était le chat de la famille. Vous aimez les animaux? Souvenance sur le linceul tricolore, tricolore notre beau drapeau, drapeau de notre belle France, France, ô France, mon pays, pays si cher à mon cœur, cœur bien fatigué de souvenance, souvenance des êtres disparus, disparus mes parents, parents, famille, amis. Encore un chat. Transistor ici, peut-être à exploiter. Un beau transistor. Une très belle écriture. Je n'entends plus Sophie depuis tout à l'heure. Irène, est-ce qu'il est possible de savoir alors qui est cet homme avec vous? Ou monsieur, si vous êtes là, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Là, je ne vais pas entendre si vous me parlez, mais ma caméra va enregistrer votre voix. Si vous me parlez. Alors, pouvez-vous me donner votre prénom? Moi, c'est Guillaume. Et je suis avec Sophie. Il y a une espèce de grattement.
Là, pour le coup, je pense que c'est une chambre d'enfant. Hein. Sophie? Est-ce qu'elle est Sophie? Je n'entends plus. Sophie? Hein? Oh, la poussière. Allez, la vache. Oh, je suis asthmatique en plus. Oh, la poupée est tombée. Oh, la poupée est tombée. Allez, la vache. Oh, je suis asthmatique en plus. Oh, la poupée est tombée. Oh, la poupée est tombée. Oh, j'ai pris un nuage de poussière. En plein dans le nez. Oh, la poupée est tombée. Incroyable. Oh, oh là, je... Sophie. Je vais prendre mon sac. Ah. Oh, puis je vais mettre un coup de Vaseline, moi, parce que... Incroyable, la poupée est tombée. Oh, c'est génial ça. Sophie? Sophie? Là, mais où est-ce qu'elle est, Sophie? Mais t'es où? Il y a la poupée dans la chambre qui est tombée, mais alors dès qu'elle est tombée, elle m'a envoyé un nuage de poussière en pleine tronche. Ah. Ouais, fixe en plus, j'ai entendu, oui, crier un peu, enfin j'ai entendu qu'il y a du mouvement. Et ça m'a surpris, mais à la limite, je n'ai pas eu le temps
d'avoir peur. J'ai reçu un nuage de poussière en pleine tronche. Ah, c'est, je sais pas si tu te rappelles qu'il y avait une poupée dans la chambre où il y a la peluche. Oui. Bah, elle est tombée. Okay. Et je l'ai filmée. Hein. Très bien. J'étais dans le, enfin, sur le palier, quoi. Ça va aller, parce que là, tu toussais, là. Ah, il faut, je vais prendre un coup d'air, là, parce que ça m'est montré en plein dans le nez. Hein. Ah. Oh, j'ai entendu tousser, je me suis dit, mais c'est lui ou pas? J'avais un doute. Ouais, ouais. Mais je continue le coup, moi, je retourne là-bas. Mais il y a eu, j'ai eu une odeur, j'ai eu des bruits, et il y a eu un gros bruit pas mal aussi, puis il y a cette poupée qui tombe. C'est costaud là déjà. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, j'ai senti ça aussi. Oh. Je vais peut-être faire une prière. Hein. Ok, je vais faire un peu de spirit box moi. Là, hein, je la remets pas où elle était, hein, je la laisse par terre la poupée. Incroyable. Elle était dans le meuble. Hein. Je vais sortir la spirit box, je vais prendre un coup de ventoline aussi là. Et je vais essayer de voir qui a fait tomber la poupée. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as ordonné à tes saints, apôtres, d'invoquer la paix sur les habitants des maisons où ils entraient, sanctifie-nous, t'en prions, cette maison, par notre prière confiante. Répands sur elle tes bénédictions et l'abondance de ta paix. Charge tes saints anges de la garder et de chasser d'elle toute influence du malin. Fais que tous ceux qui y habitent te plaisent, enfin que par la qualité de leur conduite, ils puissent parvenir à ta gloire de ressuscité. C'est ce que nous te demandons en toute confiance. Exauce-nous, Seigneur, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, et daigne envoyer du ciel ton Saint-Ange pour qu'il veille sur tous ceux qui se trouvent en ce lieu, qu'il les entoure et les protège, qu'il les garde et les défende. Daigne, Seigneur, bénir cette demeure. Nous te le demandons par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour des siècles. Et des siècles. Amen. J'ai eu peur. Comme quoi, le moindre bruit peut être fatal. Hein. Fatal. Bon, ça y est, ça va mieux. Je me suis remis ma petite frayeur. J'ai pris un coup d'air de ventoline. Voilà, j'ai dans mes mains la spirit box. Je démute. Donc Irène et à tous ceux qui sont présents dans cette grande, très grande maison, j'ai avec moi un boîtier. Ça fait du bruit. Et si vous me parlez, votre voix sortira de cette boîte. Nous pourrons discuter, avoir un dialogue. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher et à parler le plus fort possible pour que je puisse bien vous entendre. Et j'allume la boîte. Irène, êtes-vous présente dans cette maison? Et s'il y a d'autres personnes, pouvez-vous me donner votre prénom, s'il vous plaît?
Combien êtes-vous dans cette maison? Et pouvez-vous me donner vos prénoms, s'il vous plaît? Moi, c'est Guillaume. Est-ce que notre présence vous dérange? J'ai cru entendre un bruit. Je suis pas tout à fait sûr, mais... Oh là. Est-ce que notre présence vous dérange? C'était le... À qui appartenait la poupée qui est tombée tout à l'heure? À qui appartenait la poupée qui est tombée? Oh. J'ai pas l'impression qu'ils veulent communiquer des masses avec la spirit box. Oula, c'est quoi cette voix là? Ça a pas dit sortez? Moi je pense que ça a dit sortez mais avec une voix... Vous voulez me dire sortez? Vous voulez qu'on sorte, c'est ça? C'est bon. Hein? Vous voulez qu'on sorte, c'est ça? C'est ça que vous m'avez dit tout à l'heure? Oh, c'est pas vrai. Et... Oh, c'est pas vrai. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, ça. Puis la spirit box qui s'est éteinte en même temps. C'est... Regardez.
c'est quand même bizarre ça. Il s'est passé un truc. Bah viens voir, je crois que ça. C'est... Oh, ça vaudra tous les discours et la spirit box en même temps s'est éteinte. Hein. Oh, la poupée était déjà tombée tout à l'heure. Oui, c'est le la lampe qui est tombée sur la poupée. En pleine face. Regarde. Sur la tête. Mmh. Et c'est, il y a deux minutes, ça a dit sortez la spirit box. T'as posé quoi comme question? Qui était là, le nom du père, lui, du mari, est-ce que notre présence les dérange Et il y a eu. Sortez enfin, un truc comme ça et oh. Et puis comme par et en plus et le j'entends un boucan dans mon dos, je me retourne, la lampe est tombée et la spirit box est coupée en même temps, regarde clignote bleu. Faudra confirmer que c'est bien dit sortez, mais excusez-moi parce qu'il fait moins froid qu'hier, mais il fait froid quand même. Mais si ça a bien dû sortir et qu'en plus la lampe est tombée sur la tête de la poupée, enfin c'est... Oh. Vous voulez qu'on s'en aille? Dites oui ou non. Non, mais je vais rester face à cette pièce-là parce que ça fait deux fois qu'il y a quelque chose. Alors vous voulez qu'on parte? Si vous me dites oui, je descends tout de suite. Ça c'était pas un oui. Menacé. Attention à Sophie. Hein? Attention à Sophie. Ça a dit. Ça a dit attention à Sophie, j'en suis sûr là. Pourquoi attention à Sophie? Elle va pas vous faire de mal, Sophie. Hein. Oh non, elle s'est encore éteinte. Sophie pense que le attention à Sophie c'était bienveillant. Moi, je pense plutôt que c'était. Pas bienveillant, mais c'est vrai qu'avec le. Je sais pas, attention à Sophie! Non, ça peut être. Attention qu'elle se fasse pas mal. Oui, j'y avais pas pensé, mais les deux sont possibles. J'ai pas eu de choses négatives. Donc... Ouais, enfin, moi je me sens pas génial hein, depuis le début ici, là, aujourd'hui. Ok, on va commencer à rapatrier alors. Okay, c'est ça, ça fait plus. Moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Aïe, c'est moi. C'est encore... C'est à mon...
ça tombe, Guillaume. C'est toi qui as crié ? Oui, c'est tombé là. C'est tombé là. Toujours au même endroit, là. Comme hier ? Ouais, c'est ici, là. Tout se fait ici. Et comme par hasard, c'est toujours quand je suis pas loin. Tu vois ? Ouais. Moi, je te dis... Là, c'est un morceau de mur qui est tombé, là. Il y a un énorme tire-bouchon là-bas. Il y a des milliards de boutons. Enfin, peut-être pas des milliards, mais... Il y a la photo d'un homme qui date d'avril 98. Ouais. Ça brasse, hein. C'est-à-dire ? Ça brasse, mais en fait, ça fait pas mal. Mais je te dis, moi, depuis tout à l'heure... J'ai mis la spirit box sur mute, hein, mais... Ça se prépare. Il y a un truc qui se prépare. L'humidité n'aide pas non plus. Hein. La maison est très très humide. J'ai cru entendre comme un rire. Alors, je sais pas si j'ai halluciné, mais... Comme si plusieurs personnes avaient rigolé. Bah t'as bien fait. De toute façon je vais descendre. Hein. Je vais pas sortir parce que ça me chauffe une oreille. Hein. Ouais bon on va y aller. Là je me sens pas bien. Ça pousse. Ouais c'est un peu... Là on attend le plateau là. Putain, c'était quoi ? Oh putain, c'était quoi ? Oh la vache ! Oui, projectile ? Oh la vache, non, ça c'était un coup ça, hein. Ouais, c'était très fort. Je propose que tu descendes. Ouais, bah je propose la même chose. Hein ? On va pas insister ? Putain, la vache ! Putain, la force du coup. Je t'avais dit, Guillaume. T'as entendu ça ? À chaque fois, je te dis, ça se prépare, j'ai jamais fait ça pour rien. Là, c'était assez violent, oui. On passe dans autre chose, Guillaume, hein. Je te le dis tout à l'heure, ils veulent qu'on s'en aille. J'ai entendu sortir la speedbox, je suis sûr et certain que c'était sorti. Bon, bien range et on sort alors. On va vous laisser, d'accord? On a fait assez de temps ici. On reste pas trop longtemps à chaque fois. On a compris que vous voulez pas qu'on reste. Soyez cool avec nous, comme on l'a été avec vous. S'il vous plaît. Nous, on partait bien dans le salon. Je sais pas pourquoi c'est parti comme ça un peu en vrille. Ça se passait très bien. On a toujours été bienveillants avec vous. Pourquoi vous nous faites ça? Je répète, on est en 2023. Je sais que ça vous dérange. Je sais vraiment que ça... Il y a un truc qui est tombé, là. Je sais vraiment que ça vous dérange. Descends, Guillaume, s'il Mais te plaît. Je suis en train de filmer, hein. Guillaume, j'ai filmé. Descends, s'il te plaît. Je répète, on est en 2023. Je sais que ça vous dérange. Je sais vraiment que ça... Je sais vraiment que ça vous dérange.
Je répète, on est en 2023. Je sais que ça vous dérange. Je sais vraiment que ça... Il y a un truc qui est tombé, là. Je sais vraiment que ça vous dérange. Descends, Guillaume, s'il te plaît. Je suis en train de filmer, hein. Guillaume, j'ai filmé. Descends, s'il te plaît. Je suis en train de ranger mes affaires. Il y a eu un bruit, là. Le truc est descendu quasiment, oui. J'ai pris. Ah, voilà. On va sortir. Je vais devoir sortir vite. Je veux pas me faire attaquer dans une maison secondaire, première. Allez, même. Ça y est, j'ai rangé nos matos. On s'en va, d'accord? Vous nous caillassez on pas. En fait, tout se joue dans la cage d'escalier, en fait. Et c'est comme chaque maison, d'ailleurs. Tout est dans la cage d'escalier. Tout transite par la cage d'escalier. Le bien, le mal. Ça vadrouille, ça jette, ça projectile. Elle était là, la chaussure? Je sais pas, il y a des chaussures. Il y a une chaussure dans les escaliers, il faudra voir. J'ai peut-être loupé des choses parce que je rangeais mon matériel, mais là, en tout cas, il y a eu un bruit dans les escaliers. On y va. Hein. Là, c'est, faut qu'on, je sais pas, il faut qu'on sorte. Là, ça devient dangereux. Il y a du PQ qui était là. Il était là? Ouais, je ne sais pas. Mais il faut qu'on y aille, Sophie. Oui, bah, je te l'ai dit. Là. Ouais, ouais. À la... Allez. Je te l'ai bien dit. Il y a eu un bruit encore là. Bien sûr. Et j'ai même cru qu'il y a quelqu'un qui allait ouvrir la porte. Moi aussi j'ai cru, mais en fait ça a descendu sur le sapin. J'ai vu le sapin bouger. Donc, ah ouais? Oui, j'ai vu le sapin bouger. Allez, on sort. Bon. Là c'est projectile ici. Il faut sortir maintenant. Je coupe, on vous dit au revoir. Ah, oui, mais je vous dis au revoir, on vous dit au revoir. On reviendra. Allez. Au revoir. We're going to the big supermarket and we take in the whole picture, which can be much harder for people with that type of... Makes you very vulnerable, doesn't it, Sally? It can do, yes. Give me a simple task to do with tactile, I suppose, if I've got these rubber gloves on like a surgeon. Okay, well, we've got some jars here in front of you, and I wonder if you... I've left a cup of coffee there. I wonder if you could just drop in that coffee jar for me. Right, that's all the microphone. That's where the phone comes in. There you go. Right.